C'est un échantillonnage. Ce qu'on a prévu dans... Moi, je suis enseignant-chercheur. Je suis à l'université Jean-Laurion Guédé de Dalois. D'accord. Donc, c'est de la recherche que nous faisons. La recherche, c'est quoi? C'est dit que... On sait que la maladie du sommeil, là, c'est d'abord au niveau des hommes. Mais aujourd'hui, là, on a éliminé la maladie au niveau des hommes. Mais quand on a éliminé la maladie, pour que la maladie finisse totalement, là, on veut voir si au niveau des animaux, on peut en trouver. Et donc, les premières recherches qu'on a faites au niveau de Bono et puis de Saint-Fra, on a vu que c'est chez les porcs que ces trypanosomes-là se trouvent aussi. C'est le porc qui peut transmettre la maladie à l'homme encore pour que la maladie revienne. L'Organisation mondiale de la santé a validé en décembre 2020 l'élimination de la trypanosomose humaine africaine comme problème de santé publique en Côte d'Ivoire. C'est bien entendu une très bonne nouvelle qui vient couronner les efforts de lutte menés ces dernières années, mais il faut toujours rappeler que ce n'est qu'une étape dans le long processus de l'élimination durable de cette maladie et qu'il reste encore des questions importantes à aborder pour pouvoir atteindre le prochain objectif qui est l'interruption totale de la transmission en 2025. C'est pour répondre à l'une de ces questions que notre équipe de recherche est aujourd'hui en mission à Bonon, un des derniers foyers de trypanosomose humaine africaine en Côte d'Ivoire. Il s'agit ici pour nous de s'interroger, est-ce que les animaux, et notamment les porcs domestiques, qui sont souvent élevés ici en liberté, peuvent constituer un réservoir de trypanosomes pathogènes pour l'homme? Après avoir sensibilisé la population d'un village, l'équipe de terrain se met en place pour effectuer des prélèvements sur les porcs capturés par les populations locales. Le sang prélevé par le vétérinaire est utilisé pour faire des tests diagnostiques qui permettent de détecter la présence de trypanosomes directement sur le terrain. On collecte aussi une partie de sang pour faire d'autres tests en laboratoire. Et pour ça, on utilise notamment les souris qui sont élevées dans l'animalerie de l'Institut Pierre Richer de Boaké. Bon les gars, il y a des souris qui viennent d'arriver de Bonon. Ça a bien passé? Oui, ça a très bien passé. Ça va bien. Et ici? Ouais, ça va. Bonon? Quand les souris arrivent du terrain, on collecte tous les jours un peu de sang au bout de la queue pour poursuivre la recherche des trypanosomes. Dès que des trypanosomes sont détectés, on en purifie une partie pour la caractériser génétiquement et on en congèle une autre partie dans l'azote liquide pour la conserver pendant des années afin de l'étudier avec de nouveaux outils plus performants.